Checklist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Facebook, Instagram, YouTube. Ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, bienvenue dans votre dernier break de ce soir, le 23-57, on ouvre le nouveau produit Credentials. C'est là que ça se passe. Les médias sociaux, dans le bas de votre écran pour commencer, donc Facebook, Instagram, YouTube, Twitch et TikTok aussi, si vous êtes sur ces plateformes-là, pardon. Abonnez-vous, suivez-nous, parlez-en à vos amis si ce n'est pas déjà fait. Si vous passez un bon moment, ils vont aimer ça. Eux autres aussi, ils vont avoir du fun. Apportez-les sur le groupe. Let's go. On s'en va de l'autre bord. Hein, le 3. Go, le voici. Votre master, en fait, on l'ouvre. On prend les 10 premières. C'est ce qu'on fait avec ce break-là. Et je vous fais faire le tour comme d'habitude. Je vous montre que c'est bel et bien scellé de tous les côtés. Salut tout le monde, by the way. J'espère que vous allez bien. Encore rendu à 7h. Et on ouvre ça, Credentials. Comme ça, et comme à l'habitude, je vais ramasser ça sur moi, yup, parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur le plan de travail, et on va prendre les 10 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 autres seront dans vos mixeurs dans les prochains jours. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Salut Sonny, Montréal, let's go! Salut Sylvain, oh yes! Moi aussi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ben, en fait, j'ai acheté un paquet ce matin en allant chercher les boîtes. J'ai vu un peu ce que ça avait l'air à travers un paquet. Mais j'ai hâte de voir le reste. Il y a des acétates là-dedans. Il y a du beau stock, j'ai bien hâte de voir. Salut Denis! Les mains en feu, j'espère. Je vous le souhaite, bien sûr. Pinto, 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 let's go. Ok, on passe ça dans la première de 10. Amusons-nous. Salut Régent, bonsoir. Salut Sylgil sur Twitch. Allons-y, première de 10 bucks. Et on a 8 packs par boîte, voilà.
Hey, c'est parti. Je vous souhaite un bon break 2357. Voici vos basses. Ça ressemble à ça. J'ai triché car vu d'autres breaks est la plus belle, une McDavid sur 5 autos. Ouh, c'est une belle affaire ça, Denis. Tabouette. Salut, Ben. Donc, allons-y, on passe ça avec une Ticket Access sur 999. Sérieux, sont belles. Sont vraiment sharp. 0,39 de 999, c'est holy pour les Canucks. Ensuite, une Star of the Night rookie, Cole Sillinger. C'est pas laid du tout. Third star, en fait, pour les Jackets. Et deux autres bases. Une high gloss, let's go. Peut-être pas ce soir. On va peut-être se réessayer demain. Next one, à l'envers, c'est Cousins, Ticket Access. Sur 5,99 ici, la 400 pour les Sabres. Sont belles en tabarouette. Ensuite, Rookie Arrivals Renta pour l'Avalanche. Moi, je n'haïs pas ça pour le prix. C'est pas trop cher en plus. C'est accessible. Il y a quelques produits qui nous sortent pas trop cher. C'est plaisant. On a une Speed of the Game. Lucas Raymond. C'est Rookie ici pour Détroit. Une First Star. Sidney Crosby pour les Pingouins. J'ai hâte de voir les acétates, voir. C'est des clear cut en fait, de mémoire. On va regarder ça. On a ensuite Lasinski Ticket Access sur 199 ici, la 0,40. Philadelphie. Et on a une Bernard Docker Rookie Arrivals. Les Sens. On cherche des clear cut, on cherche des autos entre autres là-dedans. Il y a du update aussi, by the way, parce que ça c'est 21-22, mais il y a du update 20-21 dans le produit. La McDavid Auto, c'était une Star of the Night, une étoile. Oh, ça devait être beau en tabarouette. Pat Gauzin ici pour les Canucks. Speed of the Game, c'est rookie. Et une First Star, Quinton Byfield. Pour les Kings, c'est rookie. Ryan O'Reilly, sur 3,99. Ah, ils sont belles ceux-là. Ouh, le 153. Les Blues et Gustafsson pour les Sens, Rookie Arrivals. By the way, il n'y a pas d'auto-garantie par boîte, si ma mémoire est bonne. May contain time sensitive. Il y a des redemptions aussi là-dedans. C'est ça, featuring both 2021 et 2122 hard sign. Fait que moi, l'auto que j'ai frappé ce matin était sticker, mais il y a du hard sign aussi là-dedans. Ici, ils nous disent une autographe ou rare tech insert card per box. Donc, soit une autographe, soit une insert rare. Allons-y voir. Deux packs à faire pour cette première box. Et on a une Ticket Access. Sur 799, c'est Denisenko, les Panthers. La 107, oh belle, hein, s'il vous plaît. Star of the Night. Second Star, Matthew Tkachuk. C'est les Flames. Et dernier pack. On close cette première box avec une Farabee Auto. Mais oui, c'est Update. Je vous parlais d'Update, justement. Farabee pour les Flyers. Ça part bien, tabarouette. 0,28 de 2,99 on card. Philadelphie, Hugues Boutin. Oui, monsieur. That is a nice one, les Flyers. Et regardons juste ici une petite Zegras Rookie Arrivals pour les Ducks. Oui, Brandon, c'est la première et la seule. En fait, c'est une demi-caisse, il n'y a pas de inner, c'est 20 boîtes lousses. 20 boîtes lousses dans une caisse, dans le fond. Donc, on a pris les 10 premières. Les 10 suivantes seront dans vos mixeurs au courant des prochains jours. Je vous rappelle que le prochain break de hockey, ça va être demain. Je vous avais promis un mixeur de cup. Il y aura donc une de cup mixée avec d'autres choses. Oui, donc demain, soyez prêts. Il y aura du UFC aussi. Il y aura aussi du baseball avec du Topps Chrome.
Ça va brasser, ça va être une belle journée. Credentials, 799, une ticket access en fait, Perinovich. Pour les Blues, ensuite une third star, Sillinger. Pour les Jackets. Michael Pezzetta, ticket access sur 99 ici, le Canadien. Renta à nouveau, ensuite, pour l'Avalanche. Monsieur Pezzetta, 77 de 99 pour Montréal. Son bel, hein, s'il vous plaît. Son bel, moi je vais mettre ça sur un stand. On l'aime, monsieur Pezzetta. Tiens. C'est possible de tag pour le UFC? Oui, je vais essayer d'y penser, oui. S'il y a du update, il doit avoir du Stutzel. Absolument, Sylvain, absolument. Oui, Marc-Antoine, sur TikTok, comme pose la question, si demain, le mixer avec le The Cup va être en Team Select. On a juste ici Cider. On a eu Raymond tantôt. Voici Cider, speed of the game. Et une first star de Crosby. Pour Pittsburgh. Je te confirme qu'il y a bel et bien du Stutzel. Il y a même du Romanov. Pour le Canadien, ticket access sur 199, Philippe Maillet. La 028. Et on a Bernard Docker, Rookie Arrivals, Senators. Ce produit existe-tu dans le foot? Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Ça apporte un autre nom pour le football. C'était le Contenders, si ma mémoire est bonne. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Credentials. Speed of the game, Shane Pinto, les Sens. Ottawa et une first star de Byfield, les Kings. C'est quoi les autres box avec le The Cup? Non, il n'y aura pas le 15-16. On va ajouter du SP Authentique et du Black Diamond fort probablement dans ce break. Next one, Roman Yossi. Oh, sont-tu hot? Sur 75, sont-tu belles? Vert pétant même, 47 de 75. On va mettre ça sur un stand pour que vous les voyez un petit peu plus longtemps. Elles sont belles, hein, s'il vous plaît. Je vous le dis, vous vous renseignerez à votre magasin favori. Mais pour le prix, c'est pas trop cher pour avoir du plaisir. Gustafsson, sénateur. Rookie Arrivals. Je suis pas un gars de foot, mais Ticket Access me dit de quoi. Ben, ça ressemble à ça, en fait, justement. J'en parlais aujourd'hui. Et on a plusieurs hits ici. Qu'est-ce qu'on a de caché là? Monsieur Chatfield. Sur 799 Ticket Access pour les Canucks. On a une base maganée. C'est un méchant temps. Je suis content que ça soit une base. Je sais pas si vous voyez. Elle est pas mal tout pliée, déchirée. Salut, Baye. Et une second star, Matthew Tkachuk pour les Flames. Un autre beau contrat de signer Troy Terry, 7 ans, 49. Aïe, 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 ah oui, autant que ça. Oh, on a une redemption. Redemption incoming. On va retirer les bases. On va retirer l'autre hit ici, qui est Zegras à nouveau pour les Ducks. Je vais mettre la redemption en l'air, 2 secondes. Vas-tu faire d'autres 10 box juste en mixeur? Pour le moment, étant donné que ça a été quand même assez long, foulé, j'ai pas l'intention de faire de 10 box. On va y aller probablement dans les mixeurs ou peut-être à coup de 2, 3, 4 bucks dans les mixeurs. Là, mais allons-y voir qui est Redemption dans ce produit-là. J'ai aucune idée. Alors on va découvrir ça ensemble. On descend ça. Il s'agit d'une Credentials, bien sûr. 2021 ici. C'est 2021. C'est Update. Voilà. Debut Ticket Access Auto. Numéroté sur 199, de qui il s'agit? Nick Robertson, c'est les Leafs, c'est Steve Choquette. Ouais, monsieur, le Robertson, Nick cette fois. Pour les Leafs, c'est Update. On va placer cela. Et on va suivre box numéro 3. Et la carte maganée, c'est drôle parce que c'était comme une carte de plus que d'habitude dans le paquet. Pas ce qu'elle fait là, clairement une erreur.
Voilà. Box numéro 3. Et on passe avec Anthony Angelo sur 999 Ticket Access, le 899, Second Star, Brent Marchand, les Bruins. On a ensuite une Debut Ticket Access, M. Turcotte, sur 149, la 125, sérieux, les couleurs puis tout là, j'aime vraiment ça. Perfetti, Rookie Arrivals pour les Jets. Je sais pas ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. Mais c'est pas déplaisant pantoute. Merci pour les likes sur TikTok, by the way. Poursuis ça avec une Speed of the Game, Mason McTavish. C'est les Ducks, Third Star, Chris Kreider. Rangers. Ils ont regardé la carte et ils se sont dit, on peut se permettre de la donner. C'est peut-être pas fou pendant toute ton affaire. Kevin Ball. Ticket access sur 249. La 097. Et on a une Eklund Rookie Arrivals pour les Sharks. Ils ont de l'air belles. Sont belles, tabarouette. Sont vraiment belles. Mais c'est les Clear Cut que j'ai hâte de croiser. Eux autres, ils ont de l'air encore plus. Oh! Qu'est-ce qu'on a? Par le passé, ça, c'était des short prints. Je vais aller voir dans le checklist, mais de mémoire, ces cartes-là, si je ne me trompe pas, 6 de 10, Y Artist, Jimmy Mulligan, me semble que c'était des short prints. Je suis pas mal sûr, mais là, on va aller se valider pour être certain. On a toujours le checklist pas trop loin. Oui, ça, j'aime bien ça. Attendez un peu que j'aille ma checklist ici. Donc, on a dit credentials. On va aller voir. Et c'était la 6 de 10. Comment qu'on les appelait? Les Pro. Les Provisions. Non, c'est pas annoncé ici. D'après moi, c'est unannounced. J'en vois pas non plus dans le checklist. J'ai passé quand même plusieurs heures dedans. Puis il me semble que j'ai pas vu ça passer. Ticket access acétate auto. C'est pas ça. Les acétates non plus. Je pense qu'on a vraiment les unannounced ici. Les Easter Egg. Oui, monsieur. C'est exactement ça. Selon moi, c'est ça, New York Rangers, Yann Ouellet, let's go! Eklund ensuite, Second Star pour les Sharks, oui, je peux leur montrer absolument. Mais c'est ça, il ressemble vraiment, vraiment beaucoup au style qu'il y avait dans la dernière série Credentials. Et c'était aussi le Easter Egg, si ma mémoire est bonne. Voilà, de l'arrière. Donc, Easter Egg ici, unannounced, Panarin pour les Rangers. C'est très cool. J'ai hâte de voir les autres. Auden Connor ici pour Edmonton sur 399, la 382. C'est Pierre ici qui a les Oilers. Voilà. Et on a une Rookie Arrivals. Ilonen. C'est le Canadien. Ça fait plaisir, Nicolas. Salut, Steve. On a ensuite une Ticket Access de Butte. Lindell sur 599. La 342. Absolument, Steve. Tu as une autographe jusqu'à maintenant. Makar, First Star, l'Avalanche. Et on a une ici, Clear Cut. C'est Colton sur 249. Ouf, sont belles. Oh, sont belles. La 074. Checkez ça. Non, c'est Nick Robertson, Steve, ton autographe. Et on a une Wade Allison, rookie pour les Flyers. Ça complète la troisième box. Pas laid du tout. Pas laid du tout, box number 4. Ouais, ils sont hot, sérieux.
Ceux et celles qui auront des clear cuts, vous regarderez rendu chez vous, là, elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment, vraiment belles. Box numéro 4. Inverti. Ben oui, Colton, qui d'autre? C'est vrai qu'on le sort tout le temps, hein? C'est parti. On va ça avec une Joseph. Debut Ticket Access sur 999, la 2,85. Ensuite, Third Star, Joe Valeno. Détroit. Next one, Byfield, Ticket Access sur 99, ici la 13e pour les Kings. Et une Drysdale, Rookie Arrivals, les Ducks. Une Byfield sur 99 pour Angeli et L.E. Tiens, on va se faire une petite rotation. Et l'autre break vient de sortir une Gadjovic Gold 3 sur 5 sublime. Ouais, j'ai hâte de voir. J'espère qu'on va en sortir des low numbered. Eklund ici, Speed of the Game. Les Sharks et Second Star Marchessault Vegas. Salut Brian! Je vais être obligé d'aller chercher plus de cartes pour ma PC. Pas le choix. Nicolas Baudin ici sur 199, c'est les Hawks. La 046 et Russell Lydon. Rookie Arrivals, Buffalo. Dernière pile de cette quatrième box. On a ici Speed of the Game, Mr. Lindell, les Panthers. Et une third star, Yanni Gourde, pour le Kraken. Angeli qui passe la gratte. Poursuis ça, Mark Stone. Oh, en jaune, tabarouette, la 2,99, la 0,31 en fait. Ils sont super belles. Et Addison Rookie pour le Wild. Sérieux, là, s'il y en a qui veulent faire les Rainbow, ça va être le fun, hein, s'il vous plaît. C'est pas déplaisant. Mercer Auto, demandé par Mathieu ici. Let's go. Monsieur Baron, Ticket Access sur 999. La 559. Et on a une première Coco ici pour le Canadien. Une First Star pour Montréal. Caulfield. Dernier pack. Allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Une signature. Monsieur Neckes, les Canes. Main Stage Signature. Sont belles, hein, s'il vous plaît. La Caroline qui sort une auto ici, Mathieu Fafard, ce n'est pas tes Devils, mais j'espère que ça va faire pareil. Voilà des caisses pour les Canes ici. On va se rajouter un stand en haut, voilà. Et on a une Byfield, Rookie Arrivals pour les Kings. Voilà, il manque de coco. Un, c'est pas assez. Ça fait pareil. Good, good. Et on est rendu où donc? On est rendu à la cinquième box. Mais oui. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Mambo number 5, parce qu'on est rendu à la box number 5. Mes blues passent plus dans la porte. Je veux plus qu'un ticket. Let's go. Il y a des hard signs et il y a des stickers. Nicolas, il y a les deux. Exactement comme dans la première édition de Credentials. C'est reparti, cinquième box, Gadjovic. Sur 999, la 925. C'est les Sharks et Second Star, J-Rob. Les Stars. On suit ça avec Protest Ticket Access sur 25 seulement ici, les Caps. La 05, Denisenko, Rookie Rivals Panthers. 5 de 25 ici. C'est pas laid du tout cette chose. En passant, j'ai reçu mon premier shipping de votre part. Waouh, vraiment sur la coche. Merci. Merci Brian Tabarouette. C'est le fun d'avoir des bons commentaires comme ça. Surtout en live, Tabarouette. Merci, c'est apprécié. Celle des Canes, Nicolas, c'est un sticker.
Hard Sign, c'est directement sur la carte. Ça veut dire qu'habituellement, le joueur a eu la carte en sa possession. Les stickers, le joueur a juste une feuille avec toutes des collants. Puis il fait juste signer les collants. Puis c'est quelqu'un qui colle le collant sur la carte. C'est ça la différence, en fait. Wade Allison, Speed of the Game, les Flyers. Et on a une Rookie Arrivals, Ference Nashville. Ben, Nicolas, pour la... Ici, je te confirme, là, on voit super bien le sticker, là. Si je fais aller la lumière un petit peu, là, tu vois très très bien dans le fond qu'il y a un sticker ici. Là. Ça fait plaisir, Nicolas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une Vemel Collet Coyote sur 199. La 044. Et on a une Star of the Night. First Star Patrick Kane. J'en reçois un par semaine, puis c'est tout le temps vraiment top qualité. Ah ouais, donc! Merci, Sylvain! Next one, Speed of the Game, Thomas Seno, c'est Nashville. Et une Rookie Arrivals avec Mercer, le New Jersey. Next one, Bennington, pour les Blues sur 399. Avec un focus, merci, la 369. Et une third star, Mr. Perfetti. Les Jets, peut-être qu'ils signent le sticker déjà collé sur la carte. peut-être. Ça me surprendrait, mais on sait jamais. Thomas Harley, debut Ticket Access sur 799. La 052, pendant qu'un paquet vide revient dans l'image. Une Lane Patterson, Rookie Arrivals pour les Sharks. Ce que j'aime le plus après les One Touch, c'est vos decoys en mousse. Je les utilise pour mes shopping perso. Ah oui, ben écoute, ça là, on utilise ça parce que c'est moins pesant que les decoys blancs. Fait qu'en termes de shipping, ça nous coûte moins cher parce que c'est moins pesant. Puis en même temps, ben, ça nous permet de faire une petite marque de commerce. On a une clear cut, gang. On a une clear cut incoming. On va retirer les bases. Et qu'est-ce qu'on a? Il nous reste une carte ici. C'est une second star pour les Sharks, Mr. Brent Burns. Et la clear cut, on va aller voir ça. Qui on a cette fois sur 99, je crois. Oh, c'est une autographe. Ah oui, donc, les Ducks. Moses, que c'est beau. Mason McDavish, 5 de 99. Oui, monsieur. Debut, Ticket Access, C-Auto, Yann Ouellet. Oh, yes. Come on. Nice. Ah, pas le choix. Come on, Anaheim. Oh, c'est beau! Si je vous convainc pas avec ces cartes-là qu'on est en train de vous sortir, tabarouette. Sont belles, hein, s'il vous plaît. Je fais plus de break vraiment, mais mes meilleures expériences ont toujours été avec... Merci, Simon, tabarouette! Merci pour les bons mots aussi. Colin, vous êtes en feu, à ce soir. Vous êtes en feu, j'apprécie, merci. Elle est belle, hein, s'il vous plaît, la McTavish. Ouf! Il n'y en a pas partout, Louis-Philippe. C'était quoi la Redemption, s'il vous plaît? Je l'ai manqué. Stéphane, c'est une Nick Robertson, la Redemption. Angélique qui dit « Wow, congrats, jalousie ici. » Ah, oh, c'est malade. Ah, d'après moi, Denis, c'est fini le tête du lichage pour les collants. D'après moi, c'est fini. Renanen pour les Rangers sur 999. La 059. Ensuite, une Perinovich Third Star pour les Blues. Puis-je la voir, Steve? Oui, absolument, je te la montre à l'instant. Une Debut Ticket Access Auto sur 199. C'est Monsieur Robertson. On a ensuite les Sens Stutzel sur 299. La 143 et le Bryson Rookie Rivals Buffalo. Une Stutzel. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, je vous rappelle, il y a bel et bien du update dans ce produit-là. Perfetti, Speed of the Game. Pour les Jets. Et une First Star, Quinn Hughes. Vancouver.
Pardon. On suit ça. Début Ticket Access Mr. Holt sur 249. La 145. Vraiment sharp. Spencer Knight Panthers Rookie Rivals. La Floride, deuxième partie. On est dans notre deuxième moitié de break, by the way. Speed of the game, Matthew Phillips. Only Flames. Et une second stars. Mr. Lundell Panthers. Poursuis ça. Patrick Kane. Oh, sur 149, pardon, ici. La 013. Et Lindell, Rookie Arrivals, Panthers. Sérieux, ceux-là, entre autres, là, ils sont tannants, ils sont belles, avec le logo à l'arrière du gars, là. Franchement, très, très belle. Poursuis ça avec Lidstrom pour les Wings sur 999. Et la 249. Et on a une Fiala, second star, pardon, c'est le Wild. Est-ce qu'on va avoir une autre autographe ici? On va voir ça. Base, Panarin, Eberle. Base à l'arrière, Marchand. L'autre hit, c'est une Caulfield, Rookie Arrivals. On va se livrer tout de suite après. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une Debut Ticket Access, c'est auto. C'est Washington, Mr. Protus. Sont-tu belles, eux autres aussi? Toutes silver, la 100 de 299. Et on s'en va à Washington, cette fois, les Caps. C'est au tour de Amélie ici, avec Alexei. Et on va se livrer M. Caulfield pour la deuxième fois. Allons-y, box numéro 7. Ouais, ben c'est plaisant cette chose. C'est plaisant ce beau petit produit. On va en incorporer dans vos breaks à partir de demain. Et on va aller en racheter si on en manque. Ça, allons-y. Debut Ticket Access Protus à nouveau sur 999. La 154 First Star Mr. Matthews pour les Leafs. Penguin Mr. Angelo une autre fois ici sur 149. La 062 et le Parker Kelly Senators. Speed of the game, Perinovic. C'est les Blues. First star, Spencer Knight. Rookie, les Panthers. Pas l'air d'avoir les cartes comme en métal, comme la première année. Il y en a peut-être, Denis, puis on les a pas croisés, par exemple. Mais j'avoue, j'avais oublié ces cartes-là, moi. Cole Smith. Ticket access sur 199 pour Nashville. La 028 et une McTavish Rivals. Pour les Ducks. Speed of the game, Jake Neighbors. Saint-Louis, second star. C'est Lafrenière. Et il y a du Lafrenière auto là-dedans, hein, by the way. Il y a pas mal de Lafrenière auto. Il y en a plusieurs différentes. Garage Beer, les Coyotes sur 299. La Yellow et une Pinto pour les Sens. Next one, Russell Island Buffalo. Sur 999, la 791. Et on a une First Star, c'est Raymond pour Détroit. Dernier pack. Notre hit semble toujours dans ce pack-là à date. Allez voir ce qui se cache ici. Et on a encore une fois une tier cut ici. On va retirer les bases. On a un hit ici pour Monsieur Pilon. C'est une Rookie Arrivals pour les Caps. Incroyable, sur l'autre break, ils viennent de sortir la même Redemption sur 199. C'est malade. Hein? Et qui on a comme clear cut cette fois sur 149? Êtes-vous sérieux?
Ah, je pensais qu'on avait un autographe tabarouette. J'étais sûr qu'il y avait un auto dans le bas de la carte. C'est pas grave, on la prend pareil. 0,47 de 149. Connor McDavid pour Pierre et les huileux. Et que j'étais sûr qu'il y avait un autographe de cachet là. Ça a passé proche. Ça a passé proche. Ça fait de la place, on s'en va dans la huitième. Ça se fait assez bien, je vais vous dire. Est-ce que j'ai des partants pour un break de 10 boîtes demain si on vous fait les 10 autres box? Allons-y. Debut Ticket Access, Merkley. 9-9-9 pour les Sharks. Third Star, Roslovich, les Jackets. Columbus. $70, Nicolas. Sorokin sur 149 ici. Debut Ticket Access, super nice. Geno Rivals, Nashville. Il était en random, Nicolas. Sorokin pour les Isles. Et pour Daniel ici. On va suivre ça. Dawson Mercer, speed of the game. Les Devils, the second star. Dawson Mercer aussi pour le New Jersey. Fait plaisir. Pas grand Colorado. Il y en a, pour avoir parcouru le checklist, il y en a. C'est juste qu'on ne doit pas le sortir. Sur 249 ici, Joshua, le 216. Et Tomasino, Nashville. En fait, si je l'ai fait à 32 spots, c'est parce qu'il y avait du stock vraiment pour tout le monde. Oubliez jamais que je passe toujours, à chaque fois qu'il sort un nouveau produit de hockey, je passe toujours un bon 2 heures certain dans chaque checklist pour être sûr. Si on a des équipes, par exemple, qui n'ont pas d'autographe, je fais toujours des bundles. Et c'est toujours fait. Cet exercice-là est toujours fait. Fiala pour le Wild. Speed of the game. Et une first start de Tavares pour les Leafs. Donc, soyez certains que si vous embarquez dans nos breaks, c'est safe. C'est safe. Hoglander. Les Canucks sur 5-9-9. La 3-82. Et une Neighbors, Rivals. Les Blues. C'est quelle équipe, le code à gauche? C'est les Leafs, c'est Isaac. C'est une redemption de Nick Robertson. Ensuite, Kivi Renta pour les Stars. Sur 9-9-9, la 7-31. Et on a Cider, first star pour Détroit. Les Rainbows vont être le fun. Hey, mais, hein, tabarouette, avez-vous vu les couleurs qu'il y a là-dedans? Ça me fait penser à Platinum, mais différent. Là. Bien sûr, on s'entend. Là. Mais sérieux, autant qu'il y a des années que, ben, la première année, des fois, on n'était pas trop sûr que pour cette année, moi, je trouve que c'est le fun, hein, s'il vous plaît. Kalinuk Rivals pour les Hawks. Et est-ce qu'on a une autre autographe ici? Ben oui, on a une autographe. C'est une Rookie Arrivals et on s'en va à Vegas. Mr. Dorofeyev, Simon Rio et les Knights. Dorofeyev pour les Knights dans cette boîte. Hey, sérieux, c'est pas décevant. Vous irez voir, j'ai pas le droit de vous dire le prix en live. Ceci dit, allez voir comment que ça se vend, c'est plaisant. Puis en break, sérieusement, là, on va avoir du fun avec ce produit-là une fois de temps en temps, je pense bien. Allons-y, box numéro 9. On l'a jamais vu, lui. Santeri Hataka. Ben, coudonc. Sur 999, la 7,85. Monsieur Attaka, mais coudonc. Et il va se dire des drôles d'affaires avec son nom, lui. Pas de cousine, les Canucks. Je ne m'avance pas, je vais vous laisser aller avec les jeux de mots. On a. Debut Ticket Access. Joshua à nouveau sur 149. C'est les Blues, la 0-23. Et on a une first start de Raymond. Pour les Wings. Speed of the game, Byfield.
les Kings et une Arrivals de M. Pilon pour les Caps. En tout cas, c'est ça. On devait dire exactement ça. C'est pour ça que je voulais pas m'avancer. J'y ai pensé. Je me dis, ah, laisse les dons aller. Joseph Wall. 0-33 de 2-4-9 pour les Leafs. C'est une third star. Bertuzzi. Les Wings. Dernière pelle ici pour 7-9e. On a une Mitch Marner. Speed of the game pour les Leafs. Et on a une Garland, third star, les Canucks. Et bien, tu es qu'une dame. Attaquant star, il travaille chez Ocean Spring. Tu le savais que vous seriez en feu avec cette affaire-là. On a une Mark Stone à nouveau, cette fois. Ah, en bleu, sont-tu belles sur 99. Et Holtz, Arrivals, Devils. Hey, sont-tu belles en bleu de même? El Capitan pour les Knights, la 48. Ils sont vraiment belles. Ah, elles sont belles, hein, s'il vous plaît, pour vrai. Assez plaisant. Braden Burke sur 999, le 8,97. Et on a une second star, Mr. Holtz. Devils, dernier pack, c'est là que ça se passe encore, d'après moi. On va aller voir. On va retirer les bases. Robertson à l'arrière. Tavares. Un hit de Mr. Jones. Pour les Rangers. Et est-ce qu'on a une autre autographe ici? Ben oui, une Main Stage Signature. Ah, nice one. On retourne à Washington. Vanecek. Dites-moi pas, ils sont pas belles. Colibin. Les Capitals. Main Stage Signature. Those are nice, Washington. En rouge et gold comme ça, nice one. Amélie avec une deuxième auto dans ce break. Et on va placer notre setup parce qu'il est pas laid partout. On se fait de la place pour une dernière fois, dernière box dans cette 10 box. Les nouveaux qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît. Question qu'on puisse shipper vos cartes. Super important. Allons-y avec la dernière. C'est parti. Passe avec Johansson. Les Sabres sur 999. La 0-2-1. Ensuite, une third star, Bertuzzi à nouveau, Détroit. Ticket access, Rookie Merkley. Sur 99 ici, et c'est la dernière. 99 de 99. Et on a une Swayman, Rookie Rivals. C'est Boston. Merkley donc, avec la last print pour David et les Sharks. Next one, Mr. Holtz, speed of the game. New Jersey, et on a une first star, Mr. Hall. Pour Boston, les Bruins. Ils ont fait exprès pour toutes les mettre à l'envers. Je le sais pas, mais tabarouette. On s'ajuste. Lassie Thompson, en yellow sur 2,49. La 119 pour les Sens. Et Beckman, rookie arrivals. C'est le Wild. Plusieurs cartes depuis tantôt qui sortent pour les Blues de Louis-Philippe, mais rien de majeur. Speed of the game, Ehlers, pour les Jets. Et une second star, Podkolzin Canucks. Trois packs à faire seulement pour closer ce break. Je vous rappelle que demain, jeudi, il y aura plusieurs breaks au menu. Un mixer avec une de cup, entre autres. Il y aura du UFC. Et il y aura aussi du baseball. Donc, manquez pas ça. Ça va être une belle journée. McKinnon sur 2,49. La 123. Super belle. L'avalanche. Ross Colton, Rivals. C'est rookie à nouveau. Pour Tampa Bay. Debut ticket access. Semyonov. On ne le connaissait pas lui non plus pour les Leafs.
Kirill, un autre Kirill. 8-26 de 9-9-9 pour Toronto. Et on a une second star, Hellebuyck, pour les Jets. Yes, je vais essayer, Nicolas, si t'es pas sur la liste de tags sur demande, je vais essayer d'y penser. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? Est-ce qu'on a une autographe? On va retirer les bases. Fleury on top, Kopitar. On a une Rivals, Logan Thompson, c'est Vegas. Le meilleur moyen de ne pas le manquer, c'est de surveiller l'horaire que je vais vous sortir demain matin. Je vous sors l'horaire de sortie de break. Et on a une autographe pour finir. Mais oui! On a une autographe pour finir. Il nous disait tantôt, coudon, y a-tu des cartes de cette équipe-là dans ce produit-là? Mais oui, l'Avalanche, Kate, oui. Frédéric Côté qui close ça ce soir. Main Stage, Signature, Samuel Girard, Colorado. Ouais, monsieur, l'Avalanche qui close ça. Hein, ça finit bien. Fallait être patient, Fred. Fallait être patient. Hey, belle, par exemple, hein? Colin, c'est bon. C'est beau, Colin. OK. On va y aller avec un wrap-up maintenant. On va regarder ce qu'on a sorti, parce que... pas déplaisant. Je connais pas votre opinion, mais la mienne, c'est que je trouve ça pas déplaisant pantoute. On va y aller voir. On va y aller voir avec notre wrap-up. Qu'est-ce qu'on a sorti là-dedans? On a eu une Byfield sur 99, c'est les Kings. Pezzetta, Montréal. McDavid sur 149, c'est Clear Cut. Ici, Sorokin sur 149, c'est les Isles. Sur 99, Mr. Stone, Vegas, accompagné de Doro Feyevoto. La Redemption, c'est Nick Robertson pour les Leafs. Vanecek, Otto, les Caps. Protest aussi sur 299. Sur 25, le même monsieur pour Washington qui n'a pas un méchant break. Il y a aussi sur 75, les Preds. Nekes et Otto, les Canes. Girard, qu'on vient de sortir pour l'Avalanche. Panarin, Easter Egg, Lee Rangers de Yann. Farabee, c'est Update sur 299. Nice one pour les Flyers, c'est la dernière. Dear Cototo, ben oui, Debut Ticket Access, 5 de 99. That's a nice one. Les Ducks, Yann, Ouellette. Yann qui est méchant beau break. Tabarouette, Yann, congrats. On s'en retourne en mode grosse face. 1, 2, 3, go. 23-42, très exactement. On me surnomme Alan Buffett. Merci tout le monde d'avoir été là pour le dernier de ce soir. Merci de votre patience. Des fois, quand je suis tout seul à tout rouler, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'on soit prêt. Merci de votre patience. C'est super apprécié. On se revoit donc demain, jeudi, pour les prochains breaks. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une belle nuit, si des fois vous allez vous coucher. On se voit demain pour les prochains. Merci tout le monde. Salut.